Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Comment fonctionne l'organisation humaine? Nous sommes tous d'accord pour affirmer qu'en 150 ans, celle-ci s'est énormément complexifiée. De liens géographiquement restreints et locaux, l'économie s'est globalisée au point où nous mangeons des produits venant des quatre coins du globe et voyageons nous-mêmes à travers la planète. Le monde est donc devenu un grand marché. Auparavant, où résidait une élite locale avec un fort pouvoir local, nous héritons aujourd'hui de nos ventres rassasiés à la peau tendue et de nos mirettes ébahies et dilatées d'une élite mondiale dirigeant l'organisation des peuples, ou plutôt des flux financiers. C'est ce que nous apprend le rapport Oxfam du 20 janvier 2020. Imaginez quelqu'un qui aurait économisé l'équivalent de 8000 euros par jour depuis le 14 juillet 1789. Eh bien, il n'arriverait aujourd'hui qu'à 1% de la fortune de Bernard Arnault. C'est une info que l'on trouve dans le rapport Oxfam, et ça nous laisse songeurs. Il s'agit d'un rapport sur les inégalités mondiales, des chiffres déterminants sur l'équilibre de l'humanité. N'oublions pas que les inégalités sont la première source de pertes démocratiques. L'étude nous apprend donc qu'un fossé abyssal s'est établi entre une minorité d'ultra-riches et le reste de l'humanité. Les premiers perdants sont les femmes et les enfants. La France s'enfonce elle-même dans ces inégalités. Les hommes détiennent 50% de richesses en plus que les femmes. Pour résumer, trois chiffres clés. La richesse des 1% les plus riches de la planète correspond à plus de deux fois la richesse de 90% de la population mondiale. Les 2153 milliardaires du monde possèdent 60% des richesses de la population mondiale. Les deux tiers des milliardaires tirent leur richesse d'un héritage, d'une situation de monopole ou de despotisme. Dans le même temps, la moitié de la population mondiale vit toujours avec moins de 5 dollars par jour. La réduction de la pauvreté dans le monde a ralenti depuis 2013. Un petit focus chez nous les Français. Les 10% les plus riches possèdent 50% des richesses du pays. La France compte 41 milliardaires en 2019, 4 fois plus qu'après la crise de 2008. Parmi ces 41 personnes, plus de la moitié ont hérité de leur fortune et seulement 5 femmes sortent du lot. Les milliardaires français sont ceux qui ont vu leur richesse le plus augmenter l'année dernière, devant les Américains et les Chinois. Bref, vous l'aurez compris, le rapport Oxfam accable l'organisation économique de nos sociétés qui accroît les inégalités. Ce rapport rédigé chaque année devient public toujours à la même période, au moment où se rassemblent les élites du monde au Forum économique de Davos, en Suisse. Créé en 1971 par Klaus Schwab, professeur d'économie en Suisse, comme nous l'apprend Wikipédia, le Forum de Davos réunit les dirigeants d'entreprises, les responsables politiques du monde entier, ainsi que des intellectuels et des journalistes, afin de débattre des problèmes les plus urgents de la planète, y compris dans les domaines de la santé et de l'environnement. D'une simple réunion informelle de chefs d'entreprise européenne, le Forum de Davos s'est peu à peu transformé en club privé planétaire de riches et puissants capitalistes, accusés de défendre un modèle économique qui les avantage. Il a acquis sur la scène économique mondiale un poids et un pouvoir impressionnants, ce qui fait dire à ses détracteurs qu'il est l'incarnation même d'un impérialisme économique. La puissance du Forum économique mondial est telle que malgré son caractère non démocratique, puisqu'il n'est pas une instance élue, l'ONU a mis en place depuis 1998 un partenariat avec lui, permettant une implication croissante des entreprises dans le règlement des affaires économiques mondiales.
réseau de dirigeants organisé pour conforter la mondialisation libérale, le Forum entend donc aussi faire jouer un rôle de plus en plus important aux dirigeants d'entreprise, au détriment du rôle de régulation des États. Il œuvre à affirmer la légitimité d'une nouvelle gouvernance globale des affaires économiques mondiales, où les entreprises, par la prise en compte d'impératifs éthiques, par une implication citoyenne, seraient aptes à remplacer le rôle jugé défaillant et obsolète des États. Aussi, voici un bref aperçu du Forum de 2020 et sa merveilleuse éthique. Les États sont plus que réticents à s'emparer du sujet du numérique. Pourtant, celui-ci, par son développement, détruit l'emploi actuel et dématérialise nos activités. Le réchauffement et la perte de biodiversité nous invitent à faire l'inverse, considérant le fort impact carbone de ce secteur qui s'envole à travers le monde. Sur ce point, la France a renoncé puisque le président Macron a décidé d'annuler toute taxe sur le numérique dont les GAFAM étaient la cible, pour ne pas payer d'impôts suffisamment conséquents en France et d'user de méthodes comptables peu scrupuleuses pour s'échapper de celui-ci. Décidément, Google, Amazon et tant d'autres monopoles destructeurs continuent de dicter leurs lois. Dans les couloirs de Davos, le vilain petit garnement a croisé la gentille petite fille. Et oui, après un discours vantant le retour de la prospérité aux États-Unis, Trump n'a pu s'empêcher de tacler les prophètes d'Apocalypse, comme il dit, mentionnant ainsi tous les activistes qui luttent au quotidien pour la préservation de notre planète, insistant sur l'autonomie énergétique de son pays, qui fort, à bout de champ, dénonçant ainsi un peu plus le réchauffement climatique et ses impacts. Greta Thunberg, tel un boomerang, a aussitôt réutilisé ces mots pour parler du climat apocalyptique que nous réservent nos élites mondiales. Dans la même lignée, des sales gosses qui piétinent tout autour d'eux tant qu'ils en touchent les bénéfices, Jair Bolsonaro a défendu son nouveau Brésil, une terre désolée par la déforestation, la destruction des peuples autochtones, mais qu'importe, la croissance du capital doit reprendre. Cette année en toile de fond, le climat et la menace de la crise économique d'après, tant attendue, mais dont on ne sait quel horizon regarder pour la voir poindre. Cela reste une énigme. Voilà donc un début d'année riche en perspectives économiques, puisque la plupart des pays sont en dehors des obligations de l'accord de Paris sur la réduction des gaz à effet de serre, dont la France, qui va augmenter sa quantité d'émissions sur l'année 2020. Vous l'aurez bien compris, entre le rapport Oxfam et le Forum économique de Davos, c'est deux mondes qui s'affrontent, mais pour lequel opter? Le premier qui prône l'égalité pour une prospérité retrouvée dans un environnement viable et avec une activité humaine résiliente et en accord avec les avis scientifiques sur l'impératif de réduction de nos trains de vie, ou bien la continuité d'entreprises s'acharnant à détruire la planète pour alimenter une croissance dont les bénéfices ne sont plus perceptibles dans nos sociétés? Je pense que dans nos forts intérieurs, nous nous dirigeons tous par la pensée vers une même voie, si nous envisageons le futur et nos enfants. Excepté peut-être ceux qui n'ont pas compris que les enjeux actuels dépassent largement leur intérêt individuel et qui ne couperont pas au changement global de notre habitat. Aussi pour conclure, le plus difficile finalement est de le mettre en pratique. D'imaginer de nouveaux emplois, de nouveaux rapports sociaux, de nouveaux récits, de désacraliser l'argent pour resanctuariser la nature. C'est un travail immense qui nous demande courage et force, mais vous l'aurez bien compris, ce changement de conscience ancré dans l'action de l'homme est l'unique réponse à apporter au mot d'aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui, excellente semaine à toutes et à tous, c'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était ? Oh ! Oh ! Oh ! C'était un pur, absolument délire. J'ai trouvé ça. Quoi, Green ? Oui ! Green, comment ? Oh, super Green ! Aussi Green que ça peut être. Green, la puissance des babosses. Green, tu vois ? Mais tu vois, Green, absolument. Green, Green, Green.